Médecine légale 8. Les conditions d'exercice de la médecine en France 8. Grand 1. Titulaire du diplôme d'état de docteur en médecine. Seul l'État a le privilège de collation des grades, c'est-à-dire qu'il est le seul à pouvoir attribuer un grade. Les grades sont par exemple bachelier, docteur, etc. Sur le territoire français, il faut donc un titre de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en médecine équivalent de la communauté européenne. Grand 2, nationalité française. Grand 3, être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de l'ordre des médecins tient à jour le tableau où est inscrit les médecins. Il est départemental. Si vous exercez dans le Nord, vous devez être inscrit dans le Nord. Si vous exercez à Nice, vous devez vous inscrire dans le tableau de l'ordre des Alpes-Maritimes. Il y a quelques exceptions. Les médecins fonctionnaires ou les médecins des armées n'ont pas à être inscrits au tableau de l'ordre pour pouvoir exercer. Grand 4, être apte physiquement et psychiquement. En réalité, c'est une sous-condition de la précédente. Pour pouvoir être inscrit au tableau de l'ordre, il faut être apte physiquement, psychiquement et remplir un questionnaire médical suivant un bilan de santé. Si les conditions ne sont pas remplies, ou se trouve bien sûr dans le cadre d'un service illégal de la médecine. Médecine légale 29. L'ordre des médecins 29. L'ordre des médecins est un organisme créé le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le garant des connaissances morales de la profession médicale. L'université et la faculté de médecine sont les garants des connaissances techniques médicales. L'ordre des médecins est une connaissance morale. Les syndicats médicaux ont des intérêts matériels. Les buts de cet ordre des médecins est de veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'Université de la médecine. Il veille également à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels. Il a pour vocation d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale. Grand 1, organisation de l'Ordre des médecins. Nous sommes en pleine réforme de l'Ordre des médecins. L'Ordre des médecins exerce au jour le jour et au jour d'aujourd'hui par l'intermédiaire des conseils départementaux, régionaux et du conseil national. Grand A, les conseils départementaux. Les conseils départementaux sont en dessous des conseils régionaux. Le conseil départemental est composé d'un certain nombre de conseillers élus au suffrage universel. Ce sont tous des médecins inscrits au tableau. Les fonctions des conseils départementaux sont nombreuses. Le conseil est chargé de la tenue du tableau de l'ordre. Il vérifie que vous avez notamment le diplôme pour être inscrit. Il fait de même pour les spécialistes voulant s'inscrire au tableau. Il doit vérifier les compétences et les diplômes. Il est aussi chargé de délivrer les licences de remplacement. Pour remplacer, il faut que l'ordre délivre une licence et c'est le départemental qui s'en charge. Le départemental est également compétent en matière de plaques et d'ordonnances. Il vérifie les ordonnances. Il ne faut pas mettre n'importe quoi sur les entêtes. Non, il vérifie les plaques apposé sur votre cabinet. L'ordre a également dans le départemental
une fonction en matière de contentieux. Il équilibre les groupes, les contrats d'installation ou les contrats de remplacement. Grand B, les conseils régionaux. Le conseil régional de l'Ordre des médecins est avant tout la juridiction disciplinaire de première instance. Le conseil régional sanctionne les infractions par rapport au code de déontologie. Les conseils régionaux peuvent infliger un certain nombre de sanctions, pouvant être un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d'exercer pendant un mois, deux mois, six mois, voire plus. Médecine légale, 29, numéro 2. L'ordre des médecins, 2, 29. Rappel, le conseil de l'ordre est organisé en conseils départementaux, en conseils régionaux. Il y a aussi un conseil national de l'ordre des médecins. Une réforme de l'ordre est en cours. Organisation de l'ordre des médecins. Grand A, les conseils départementaux. Grand B, les conseils régionaux. Les conseils régionaux, il y a 9 titulaires qui sont élus pour 9 ans. La juridiction disciplinaire de première instance est chargée d'évaluer les faits des médecins et éventuellement de les sanctionner par rapport au code de déontologie. À l'intérieur de ce conseil régional, il y a une section particulière, la section des assurances sociales. Cette section est chargée de sanctionner éventuellement les médecins qui auraient commis des fautes, par exemple une surfacturation des actes médicaux. Grand C, le Conseil national. Cette instance est chargée des affaires de la section disciplinaire du Conseil régional. La première instance, s'il y en a une, appelle la section disciplinaire du Conseil régional. Le Conseil national a un bulletin d'information à destination des médecins. Le Conseil national, donc, par rapport à ce bulletin d'information, donc envoie chez les médecins le bulletin. Il participe à l'élaboration du code de déontologie. Le code de déontologie est un document important. C'est un décret pris par le président de la République sur proposition ministérielle. Le ministre sollicite l'avis du Conseil d'État et du Conseil national de l'ordre. Le Conseil d'État est chargé de surveiller l'ordre des médecins. Il y a donc une juridiction de l'ordre administratif.